Athos expulsé, plus jamais humilié. Centre de rétention, d'une abrogation visée. Plus de précarité, ni clandestinité. Régularisé, les sans-papiers réprimés. Thank you.
¿Cómo puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel? Quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres. Yeah!
tu n'aimes pas. Tu fais ce que tu veux, personne ne l'empêchera. Liberté, égalité, des mots plus appréciés. Capital, oui, à l'égalité. Oh, oh, oh. Dans
fasciste. Oh, oh, oh. Une destruction générale. Par la route d'un fasciste. Éteignons la flamme du racisme. Pour qu'il y ait un seul intolérance. Ne sont plus nos poignées à froid. Si mon bras est comme le passé. Tout le monde est libre de passer. Mais personne ne peut oublier que l'État a tout fait pour elle. Oh, oh, oh. Antifasciste. Oh, oh, oh. Contre le Front National. Oh, oh, oh. Antifasciste. Oh, oh, oh. Une destruction générale. Nous battons dans cette histoire. Et faites partout justice de faire. Un futur plus engagé. Tous ensemble pour les supprimer. Dégageons les diplômes. Pour qu'ils obtiennent leur diplôme. Même la vie va dégager. Et laisser place aux étrangers. Oh, oh, oh. Antifasciste. Oh, oh, oh. Contre le Front National. Oh, oh, oh. Antifasciste. Oh, oh. Déjà, vis-à-vis des autres, tout le monde a un ordinateur, un portable, tout ça. Si j'en avais pas, ça serait un peu la honte. L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'annonce par le ministère de l'économie que l'État injectera 10,5 milliards d'euros dans le capital des 6 grandes banques françaises. Pour le gouverneur de la Banque de France, il ne s'agit pas de recapitaliser les établissements, mais d'accompagner le financement de l'économie. Et la crise financière risque de créer 20 millions de nouveaux chômeurs dans le monde d'ici la fin de l'année prochaine. Alors 3 millions d'euros, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler, ça change la vie. Et oui, les actrices de séries télé ont détrôné les actrices de cinéma qu'on avait l'habitude de voir sur grand écran. Comment ont-elles réussi à les détrôner? Eh bien grâce tout simplement à leur sex appeal. La ville de Paris sous haute surveillance, 1000 nouvelles caméras vont être installées dans la capitale d'ici 2010. Votre mot préféré, sœur Emmanuelle? Yalla. Ce qui veut dire en avant. Quand j'attaque la télévision, je vois des gens pour du pognon. Je vois la télé, les émissions, toute cette notification. La télé-réalité, tout est déjà programmé. Les jours de télévisée, les infos sont tous plantés. Oh.
les a poussés à vivre au milieu de cette misère, cette pauvreté, là-bas. La révolte.